Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes ici pour annoncer deux choses. Tout d'abord, l'assouplissement de certaines des mesures de santé publique et deuxièmement, davantage de soutien financier pour les entreprises ainsi que le secteur des arts et de la culture. Vendredi dernier, si vous vous rappelez, la ministre Audrey Gordon ainsi que le docteur Brent Wilson ont annoncé que les ordres de santé publique seraient prolongés jusqu'au 8 février afin de nous donner plus de temps pour confirmer certaines des tendances dans les données concernant la COVID-19 ainsi que les répercussions sur le système de santé. Nous sommes en train de constater des tendances positives dans ces données qui semblent indiquer que la COVID-19 se stabilise dans notre province. Au fur et à mesure que ces tendances se confirment, je suis ravie d'annoncer qu'à partir du 8 février, nous allons commencer à assouplir certaines des restrictions. Ces nouvelles mesures vont être en vigueur pendant deux semaines jusqu'au 22 février. Et il y aura des nouvelles mesures qui vont inclure des changements euh, aux limites de rassemblement dans les résidences privées, euh, dans les euh, magasins, les restaurants, les musées et les galeries d'art. ainsi que à la capacité pour les événements sportifs. Je vais maintenant passer le micro au Dr Roussin qui va nous donner plus de détails. Merci Madame la Première Ministre. Bonjour, je suis le docteur Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef de la province du Manitoba. La semaine dernière, nous avons annoncé un prolongement des ordres de santé publique. Nous avions examiné des données de modélisation pour essayer de détecter des tendances et beaucoup de ces tendances montraient qu'il y avait un pic ou bien un pic qui allait arriver, qui commençait à se transformer en plateau. On avait besoin d'un peu plus de temps pour examiner ces données. À ce moment-là, nous ne pouvions pas prendre de décision à ce moment-là. Mais cette semaine a passé et nous voyons maintenant que grand nombre de ces indicateurs continuent à se stabiliser ou en tout cas à aller dans la bonne direction. Donc nous avons une meilleure idée de là où nous en sommes dans cette vague. Donc, un des facteurs que nous avons examinés, un des facteurs les plus importants, c'est bien sûr la pression sur le système de santé. Donc, nous examinons les admissions à l'hôpital ainsi que les admissions aux soins intensifs et ainsi que le nombre de personnes qui sont positives pour la COVID-19 dans ces admissions. Euh avant, on considérait les personnes qui étaient infectieuses, les personnes qui étaient en guérison, etc. Mais ce que l'on voit, c'est qu'avec une transmission qui est très propagée dans la communauté, on voit un très grand nombre de personnes qui sont à l'hôpital et qui, à ce moment-là, testent positif pour la COVID-19. Donc, au niveau de la santé publique, lorsqu'on examine le besoin de, de restrictions et autres, c'est très important euh, pour nous de comprendre qui est à l'hôpital à cause de la COVID par rapport aux personnes qui sont à l'hôpital et qui se trouvent avoir la COVID mais qui ne sont pas là à cause de ça. Alors nous savons que Omicron se répand énormément et il y a des limites sur les tests qui sont imposés. Donc en fait, on va découvrir des gens qui arrivent à l'hôpital pour des raisons autres que la COVID, on va leur donner un test et on découvre à ce moment-là qu'ils sont positifs. Donc, lorsqu'on examine la manière de quantifier ces données, d'établir des modèles, on voit qu'à peu près 60% des personnes qui sont admises à l'hôpital sont là pour des raisons autres que la COVID. Donc, ce sont des gens qui sont positifs pour la COVID, mais c'est une incidence seulement. Donc, ils sont là pour des raisons autres que la COVID. Donc, ça veut dire qu'en fait, 40% des personnes qui sont admises à l'hôpital euh, sont admises pour des raisons qui sont liées à la COVID. Alors, bien entendu, toutes ces personnes ont besoin de recevoir des soins. Toutes les personnes qui sont admises à l'hôpital contribuent à la pression sur notre système de santé. Mais pour nous, au niveau des autorités de la santé publique, c'est important de savoir euh, qui c'est qui est là à cause de la COVID et qui est là pas pour la COVID. Donc, c'est pour ça que... On avait besoin de séjours supplémentaires pour essayer de découvrir euh, ce qui se passait. Et donc, c'est en fait un tiers des gens qui sont là à cause de la COVID. Donc, ça, ce sont les raisons euh, qui nous expliquent tout ça. Donc, lorsqu'on examine euh, les admissions aux soins intensifs, eh bien, on fait ça de la même manière, mais on voit qu'il y a euh, un inverse euh, des tendances. C'est-à-dire qu'en fait, les deux tiers des personnes admises aux soins intensifs sont là à cause de la COVID. Donc là, on voit encore une fois que euh, la majorité des personnes qui sont positives pour la COVID et qui sont aux soins intensifs sont en fait aux soins intensifs à cause de la COVID et un tiers sont là pour des raisons autres que la COVID. Donc c'est certainement pertinent à la manière dont on examine nos données. Lorsqu'on examine ces admissions aux soins intensifs, il est aussi important de souligner l'importance de la vaccination. On voit certainement l'avantage euh, d'être vacciné parce que ça protège les gens contre les maladies graves de la COVID. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, il, est, il continue d'être vital que les gens se fassent vacciner et qu'on ait le plus de manitoba vaccinés possible. Donc, si vous êtes admissible pour une dose, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner dès que possible. Donc, ça fait déjà un moment euh, qu'on s'est retrouvé dans une, une situation comme maintenant où on peut envisager l'assouplissement de certaines restrictions. Donc, quand on surveille tout ça, euh, le taux d'infection, le taux d'absentéisme, le taux de positivité, eh bien, il semble vraiment qu'on a atteint un pic au niveau euh, de la création des nouveaux cas. Alors oui, il y a un ralentissement au niveau des admissions aux soins intensifs, mais c'est encore euh, une tendance en montée. Nous savons tous que les mesures de santé publique, ont, elles sont toujours en place de manière temporaire. Elles sont toujours conçues pour être temporaires. On ne peut les garder en vigueur que si elles sont nécessaires. Donc là où nous en sommes aujourd'hui, eh bien notre recommandation, c'est que les ordres de santé publique, euh, les nouveaux ordres de santé publique entrent en vigueur le 8 février. Ils vont être en vigueur pendant deux semaines. Alors certains des détails. Nous allons assouplir les restrictions sur les rassemblements privés. Donc ça veut dire que plus de gens pourront se rassembler en intérieur et en extérieur. Bien sûr, il y aura des règles différentielles selon le statut de vaccination. Nous allons aussi ajuster la limite de capacité dans de nombreux endroits publics. Alors nous allons maintenir euh, la preuve de vaccination euh, qui est exigée de nombreux endroits maintenant. Nous allons maintenir euh, la capacité de 50%, mais ce que l'on va faire, c'est en fait élever le plafond de, de, de capacité maximale. À l'heure actuelle, il est à 250 et là, on va enlever maintenant ce plafond. Donc, la vaccination, toujours nécessaire si elle l'était auparavant, 50% de capacité toujours applicable, mais on enlève le plafond maximal de 250 personnes. Alors avant, on avait demandé à ce que les ventes d'alcool s'arrêtent à 22 heures. Maintenant, ça peut s'arrêter à minuit. Et en ce qui concerne euh, les euh, sports, nous allons autoriser les tournois pour les sports et les activités de loisirs en intérieur et en extérieur. Alors pendant les deux prochaines semaines, nous allons continuer à surveiller les tendances et les données. Nous savons que la période d'incubation pour Omicron est plus courte. Donc, avant, la durée des restrictions était basée sur le fait que la période d'incubation était euh, plus longue. Mais là, on pense qu'en deux semaines, on va avoir d'emblée une meilleure idée de la direction qu'on va prendre. Et ça nous permettra d'envisager un nouveau parcours vers l'assouplissement de nouvelles restrictions. Nous continuons à maintenir euh, les preuves de vaccination. Et nous allons continuer à dire aux Manitobains qu'il est vraiment très important de recevoir ces vaccins dès qu'ils sont admissibles. Nous savons que les Manitobains ont énormément contribué à cet effort. La très grande majorité des Manitobains ont fait ce qu'il fallait faire. Ils se sont fait vacciner et qu'ils respectent les règles. Et nous savons que la vaccination, c'est certainement la manière pour nous d'arriver à une élimination des restrictions. Donc là, encore une fois, euh, les actions que les Manitobains ont prises, euh, c'est ça qui nous a permis d'arriver à cette situation et nous pouvons envisager l'assouplissement des restrictions. Donc, encore une fois, merci à tous les Manitobains, merci à tous les travailleurs du secteur de la santé qui ont vraiment sacrifié tant pendant toute cette période difficile. Et je, maintenant, je vais passer le micro à la Première Ministre. Merci beaucoup, Docteur Roussin. Alors, euh, ce sont des bonnes nouvelles que nous annonçons aujourd'hui euh, pour de nombreux Manitobains, mais nous reconnaissons que de nombreuses entreprises vont quand même avoir euh, des répercussions, euh, des restrictions qui continuent parce qu'ils ne peuvent pas euh, fonctionner à pleine capacité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous annonçons euh, une prolongation du programme de soutien au secteur afin d'aider les entreprises ainsi que les organisations euh, culturelles et artistiques du Manitoba. Alors, ça donnera un deuxième paiement aux entreprises qui ont été approuvées auparavant et qui sont affectées par les ordres de santé publique à partir du 31 janvier. Ça va élargir les critères pour inclure les, les locations pour les événements ainsi que les traiteurs. Et la période d'acceptation des demandes, ça sera jusqu'au 28 février. Alors, on a souvent dit que euh, c'était euh, certaines entreprises étaient les premières à fermer et les dernières à réouvrir. Alors par exemple, le secteur des arts, c'est ça. Donc nous allons donner 6 millions de dollars en nouveau financement au programme de durabilité et des programmes artistiques et culturels pour appuyer les entreprises et les organisations dans ce secteur qui continuent à subir des répercussions négatives des ordres de santé publique. Donc à partir de maintenant, euh, nous allons continuer à consulter avec les autorités de santé publique ainsi que les intervenants. Nous allons continuer à apprendre à vivre avec ce virus. Alors, si les données sur la COVID-19 du Manitoba euh, continuent à ressembler à ce qui se passe dans les autres provinces et pays, eh bien nous allons continuer à envisager d'assouplir davantage de restrictions dans les semaines et mois à venir, en fonction des données que nous aurons. Nous allons Essayer d'éliminer une grande partie des restrictions de limites de capacité. Nous espérons que nous allons pouvoir finalement, euh, à un moment, passer à des recommandations au lieu d'avoir des restrictions. Je veux remercier les plus de 87 des Manitobains de 18 ans ou plus qui se sont fait vacciner avec au moins deux doses et ceux qui ont fait le choix de protéger les 70 000 enfants manitobains qui ont maintenant reçu du vaccin. Jusqu'à présent, nous avons administré plus de 2,7 millions de doses de vaccins dans la province. Nous savons que les vaccins fonctionnent. J'encourage les Manitobains à obtenir leur troisième dose parce que ça permet de recharger l'immunité contre la COVID-19. Obtenir cette troisième dose diminue le risque euh, de se retrouver dans une situation où on doit être admis aux soins intensifs et ça réduit ce risque de 139, d'un facteur de 139 fois par rapport aux personnes qui euh, ne sont pas vaccinées. Je veux remercier tous les Manitobains qui ont fait des sacrifices personnels, financiers et autres et qui en plus ont fait ce qu'il fallait en se faisant vacciner et en respectant les gestes de base. Je veux remercier tous nos travailleurs de première ligne et nos travailleurs essentiels qui ont réussi à garder, assurer la sécurité des Manitobains pendant cette pandémie. J'ai tout à fait confiance que nous allons y arriver tous ensemble. Merci à tous ces Manitobains. Nous allons maintenant ouvrir le micro aux questions. Alors, nous avons le taux de décès le deuxième le plus élevé au pays. Nous avons eu sept décès aujourd'hui et sept décès hier. Comment est-ce que vous réconciliez ça avec ce que vous venez d'annoncer Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'à l'évidence, nous avons travaillé avec les autorités de santé publique pour voir de quelle manière on peut éliminer certaines restrictions pour le public. Je crois que les gens sont prêts à revenir à un certain montant de normalité dans leur vie. Alors, euh, je sais que vous examinez le nombre de décès par rapport aux autres provinces. Alors, c'est certain qu'on essaie de faire des comparaisons dans l'ensemble des provinces. Alors, est-ce qu'on est vraiment en train de comparer des pommes et des pommes euh, lorsqu'on se penche sur ces données Nous sommes en train d'examiner ça. Mais tous ces Manitobains, euh, nous savons que ça a été une période particulièrement difficile. Nous savons qu'il y a eu une perte d'êtres chers. Et ce que je dirais aussi aux Manitobains, c'est que nous allons réussir à traverser cette épreuve tous ensemble, ce sont des temps très difficiles. Ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que tous les Manitobains vont pouvoir accéder aux soins intensifs et je parle de personnes qui sont malades pour des raisons autres que la Covid. Nous avons des préoccupations pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale et d'autres problèmes de santé en général et il nous faut mettre l'accent là-dessus. Qu'est-ce que vous allez dire aux personnes qui sont âgées, qui sont handicapées, qui ont un système immunitaire compromis et qui vraiment sont terrifiées à l'heure actuelle. Ils continuent à voir cette propagation du variant Omicron. Alors oui, peut-être que c'est plus bénin sur une base individuelle, mais pas pour les gens qui sont à risque. Vous êtes en train de dire qu'on est en train de sous-estimer le nombre de décès euh, de la Covid. Alors qu'est-ce que vous allez dire aux gens, aux familles des personnes qui sont handicapées alors la première chose que je leur dirais c'est allez vous faire vacciner. Assurez-vous que vous avez eu toutes vos doses de vaccination. Vous avez reçu la troisième dose également. Je crois euh, effectivement qu'il s'agit de temps très difficile, mais on ne veut pas que les gens vivent dans la peur. Ce que l'on veut, c'est créer un environnement euh, dans lequel les Manitobains n'auront pas besoin de vivre dans la peur. Vous êtes en train de leur dire qu'ils doivent simplement aller se faire vacciner C'est vous assumer qu'ils ne sont pas vaccinés non, non, je pense que la majorité sont vaccinés, mais peut-être qu'il y en a chez eux qui ne sont pas vaccinés ou de leur famille qui n'est pas vaccinée. Il nous faut encourager le plus grand nombre de manettobains possibles à être vaccinés. Alors, vous n'arrêtez pas de dire que vous avez un bon message de vaccination et on l'apprécie. Mais qu'est-ce que vous allez dire aux personnes qui sont vaccinées et qui sont handicapées ou qui sont âgées et qui ont une immunité compromise Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire à ces personnes je vous dirais que nous avons eu des restrictions pour aider, des restrictions sont en place, euh, ça aide avec notre hospitalisation. Je vais demander à Brent de peut-être faire un commentaire. Euh, Lorsqu'on examine les admissions à l'hôpital, les admissions aux soins intensifs, tout ça, c'est en train d'atteindre un plateau. Alors, c'est pour ça qu'on avait des restrictions, mais maintenant que on a le mouvement qu'on espère, c'est-à-dire le plateau, euh, nous pensons que nous sommes dans une position où nous pouvons commencer à réduire les restrictions pour que les gens puissent revenir et recommencer à revivre leur vie. Bon, alors tout ça, ce sont les entreprises qui l'ont exigé, en particulier euh, le plafond de 250 personnes à la capacité Donc maintenant vous allez avoir des milliers de personnes euh, dans des grands euh, endroits comme les casinos, euh, l'arène le, des jets. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas un risque additionnel Et franchement, c'est qui qui a demandé à ce qu'on en, enlève ce plafond alors, ce que je vous dirais, c'est que certainement, on écoute les intervenants du secteur des affaires. Il y a trois, quatre semaines, lorsque nous avons décidé de prolonger les ordres de santé publique et ensuite on a décidé euh, de les prolonger une semaine de plus, eh bien, je peux vous dire que les, les entreprises communiquent constamment avec nous euh, pour nous donner leurs perspectives et on les écoute. Alors, en ce qui concerne les ordres de santé publique qui sont présentés aujourd'hui, je vais demander à Brent de nous expliquer de nouveau. Euh, je veux que vous compreniez que nous avons travaillé tous ensemble, y compris avec les autorités de santé publique. Bon, euh, nous avons suivi l'approche typique euh, lorsqu'on assouplit des restrictions. On assouplit les restrictions euh, en ordre inverse des, de ce qu'on a fait pour les imposer. Donc, les dernières restrictions imposées sont les premières à être, à être éliminées. C'est une approche qui est assez normalisée et c'est une approche qui est tout à fait normale lorsqu'on essaie de relancer tout ça de manière prudente. Bon, ce que l'on a vu, c'est que si vous êtes entièrement vacciné et que vous n'avez pas euh, une immunité compromise, alors vous avez des chances d'avoir une maladie très bénigne de Omicron. Mais. Je veux dire, est-ce qu'il va y avoir des gens qui ne sont pas dans cette situation, dans ces grandes foules Vous êtes à l'aise d'avoir des milliers de gens euh, dans un endroit, même s'ils ont besoin d'être entièrement vaccinés Bon, le risque ne sera jamais nul. Euh, les gens qui ont des immunités compromises, qui ont des maladies graves, ce sont des gens qui ont toujours été à risque pour de nombreuses choses. Euh, chaque saison de maladies respiratoires, par exemple, ils sont à risque. Euh, ils vont être à risque si on a un nouveau variant. Alors, on ne sait pas ce que la COVID va nous réserver encore. Donc les gens qui vivent dans ces situations là, euh, malheureusement c'est certain qu'ils ont un risque accru. Nous avons beaucoup de mesures en place à l'heure actuelle. Donc on demande bien sûr euh, vérifier l'état de vaccination, il y a encore un masque qui est obligatoire. Mais on n'arrivera jamais à un risque nul. Et donc il faut que chaque personne contemple son propre risque, comme c'était le cas d'ailleurs avant la pandémie. Et en fait, on a envoyé ce message dès le début de la première vague, parce que si vous êtes une personne qui a des risques accrus, eh bien, il faut vraiment reconsidérer prudemment les activités auxquelles vous participez. Alors, nous avons toujours eu ce message pour les personnes à haut risque et ça n'a pas changé. Alors, nous n'avons pas eu la formule de deux bulles familiales comme c'était le cas dans d'autres provinces ici au Manitoba. Euh, pour protéger les contacts euh, qui sont vraiment rapprochés Bon, je crois qu'en ce qui concerne les rassemblements dans les résidences privées, il y a toujours eu une grande difficulté. Alors, euh, c'est très difficile de savoir quel est le bon chiffre. Bien sûr, on veut limiter les contacts des gens, euh, mais on met en place des ordres qui ne sont pas faciles euh, à faire respecter. Alors, euh, de quelle manière est-ce qu'on va faire que les, en chose, que les choses soient claires pour les gens Est-ce qu'on dit que c'est une bulle de deux familles ou bien est-ce qu'on va donner un nombre particulier de personnes donc je crois que chaque province a eu des difficultés à envisager quoi faire. Nous l'avons envisagé aussi et on a utilisé d'autres approches, mais c'est vraiment difficile de limiter la taille des rassemblements dans les résidences privées. Ce qui est important, c'est le message qu'on essaie de faire passer. Il faut absolument faire tout ce qu'on peut pour réduire la taille de ces rassemblements. Et bien sûr, si vous êtes une personne qui a un risque accru de maladie grave, eh bien, vous devez considérer de réduire ces rassemblements encore plus. Alors, les professionnels de la santé euh, ne sont pas d'accord avec cette distinction entre les gens qui sont malades de la Covid ou avec la Covid. Et, et en fait, ça exacerbe beaucoup de problèmes. Ils disent aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'obtiennent pas des soins médicaux pour toutes sortes de raisons dans le système de santé parce qu'il y a tellement de gens qui sont infectés avec la Covid, même si vous ne dites pas qu'ils sont malades de la Covid. Alors, je sais que vous n'êtes pas euh, du système euh, soins commun mais qu'est-ce que vous allez dire à ces médecins? qui vous disent vraiment, euh, on, est, on a encore beaucoup de difficultés dans le système de santé. Absolument, il y a beaucoup de pression sur le système de santé à cause de nombreuses raisons. Il y a de l'absentéisme, euh, il y a beaucoup de, de, de pression parce que ça fait deux ans que ça dure. Euh, il y a encore beaucoup de gens qui sont malades. Alors, est-ce qu'on utilise euh, les restrictions pour retirer les libertés des gens seulement à cause de la pression, si cette pression sur le système de santé n'est en fait pas directement liée à la COVID Donc, c'est un exercice d'équilibre, un véritable défi qu'on a devant nous. Donc, 60% des admissions à l'hôpital euh, qu'on annonce tous les jours ces gens-là auraient été là d'une manière ou d'une autre. Euh, Qu'ils aient la Covid ou non, ils auraient été là. Alors, ce n'est pas que ça n'est pas pertinent, bien entendu, c'est pertinent à, à ce qu'on envisage de faire au niveau des restrictions. Mais on n'est pas là pour dire du tout qu'il n'y a pas une pression sur le système de santé. Mais pour nous, c'est important de remarquer que 60% des gens qui sont à l'hôpital seraient en fait à l'hôpital euh, même s'il n'y avait pas la Covid, même s'il n'y avait pas de pandémie. Alors, il nous faut tenir compte de ça. On n'essaie pas de dire ici qu'il n'y a pas de pression sur le système de santé. Il y a beaucoup de pression. Madame la Première ministre, depuis que vous êtes dans ce poste, est-ce que vous êtes allée à l'hôpital pour une visite Vous constatez vous-même ce qui se passe J'essaie de penser. Est-ce que j'ai été allée dans un hôpital Non, pas depuis que je suis Première ministre. Pourquoi je pense que c'est par respect euh, pour les ordres de santé publique, essentiellement. Je ne veux pas être dans une position où je pourrais potentiellement infecter quelqu'un en allant faire une visite inutile. Nous sommes certainement en discussion et je m'appuie sur la ministre de la Santé pour communiquer dans ces circonstances. Alors, je ne suis pas du tout opposée à l'idée d'y aller, mais je ne l'ai pas fait, mais c'était surtout par excès de prudence. Alors, en mi-décembre, vous aviez 380 millions de dollars euh, qui étaient comme soutien pour les entreprises, plus 22 millions de dollars que vous venez d'annoncer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu reste comme argent? Bon, nous offrons tous ces programmes et nous essayons de voir euh, qui c'est qui y participe et on les modifie euh, pour nous assurer qu'on offre plus de soutien pour encore plus de Manitobains, le plus possible. Ce qu'on a entendu euh, de, euh, du secteur des affaires, de la chambre de commerce, c'est qu'ils apprécient ces soutiens. Euh, S'il y a plus qu'on peut faire, je crois qu'en fait on le fait plus. Maintenant, on va appuyer le secteur des arts et de la culture. Il y aura peut-être d'autres soutiens qui vont être nécessaires effectivement et nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se passe et on le fera à partir de ce moment-là. Docteur Roussin Quel est notre approvisionnement pour ce traitement pour la Covid Alors à l'origine, nous avions reçu à peu près 1100 traitements pour le paxoville. Euh, c'est un ré rétroviral. Alors, ça, c'est en fait euh, vraiment la responsabilité de soins communs, mais vous devriez leur poser la question. Alors, euh, vous avez arrêté de dire que vous êtes un gouvernement en faveur de la vaccination. Votre ministre de la Santé, c'est une ambassadrice des vaccins, mais ce n'est pas tout le monde dans votre caucus qui est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour encourager ces personnes à devenir plus comme des ambassadeurs de la vaccination est-ce que vous pouvez vraiment faire ça tout en maintenant le soutien que vous avez dans certaines régions du Manitoba, là où vous en avez besoin, mais sans aliéner les électeurs de Winnipeg, qui sont bien plus nombreux Bon, En tant que gouvernement, depuis le premier jour, ça a toujours été très important. Depuis le, en fait, le premier jour de la vaccination, nous sommes devenus des ambassadeurs au sein même de notre gouvernement. Nous voulions nous assurer que le plus grand nombre de Manitobains possible se fassent vacciner. Euh, ces personnes qui ont un message contraire, eh bien, elles ont été retirées de leur poste et nous continuons à avoir des discussions au sein du caucus. Je crois qu'il est important que les membres de notre caucus puissent représenter leur communauté. Nous avons un groupe d'individus qui est très diversifié au sein de notre caucus et ces gens doivent représenter leur circonscription. Ils ont été élus par ces personnes-là, donc nous avons ces discussions au niveau du caucus. Ok, on va prendre des questions des journalistes en ligne maintenant. On reviendra à la salle plus tard. Un rappel aux journalistes qui sont en ligne. Vous avez droit à une question préliminaire et une question de suivi. Euh, tout d'abord, cet après-midi de City News. Mike. Bonjour, Mike Abonni, City News. Alors, avec l'assouplissement de toutes ces restrictions, euh, euh, lorsqu'on en a eu auparavant, les manettes pouvaient examiner les données qui montraient qu'il y avait des tendances à la baisse. Mais maintenant qu'on n'a plus de données sur euh, les tests, c'est impossible de savoir combien de personnes sont vraiment infectées avec ce virus. Donc, on doit simplement s'appuyer, se, se reposer sur la parole des autorités de santé publique. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux Manitobains euh, pour qu'ils soient plus à l'aise avec l'idée qu'on va assouplir les restrictions alors que le virus est encore là Alors, effectivement, c'est certain, il y a beaucoup de virus. Euh, si on pensait qu'il n'y avait vraiment aucun risque eh bien on enlèverait toutes les restrictions. mais ce c'est pas ce qu'on fait. on va le faire de manière prudente. on a présenté de la modélisation la semaine dernière qui indiquait que en fait le pic de la vague euh, était déjà arrivé. on a regardé les données et ça nous montre la même chose cette semaine. Euh, ça montre qu'à l'évidence il y a eu un pic au niveau des taux d'infection, un pic d'hospitalisation. Et en ce qui concerne les admissions aux soins intensifs, on s'approche du pic si on n'y est pas déjà. Alors, dans les industries et les secteurs où il y a beaucoup plus de, de dépistage, où on examine les taux d'absentéisme, etc., toutes ces données nous indiquent que effectivement, nous avons eu un pic il y a une ou deux semaines. Donc, encore une fois, c'est plusieurs indicateurs qu'on examine. Nous avons présenté ces données de modélisation la semaine dernière. Alors oui, c'est certain, euh, à cause de notre approche de dépistage, on, presse, on a une perspective différente sur les choses, mais nous avons quand même fait cette recommandation. Merci. Alors avec l'assouplissement des restrictions, je sais que ça ne va pas être toutes les restrictions tout de suite, mais, que, mais ça va quand même introduire beaucoup de variables. Alors est-ce que ça ne va pas complètement changer euh, vos données de modélisation si vous enlevez euh, tout, euh, tous les plafonds au niveau des capacités, etc., c'est la raison pour laquelle nous continuons à envoyer ce message au sujet des gestes de base de la vaccination. Nous avançons très prudemment parce que, comme vous le dites, effectivement, il y a une certaine imprévisibilité quand on commence à assouplir certaines mesures. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. C'est pour ça qu'on avance de manière prudente. On va évaluer les effets de cet assouplissement de restrictions avant de passer à la suite. Donc encore une fois, les mesures en place, les ordres de santé publique, euh, ils ont tous des effets négatifs sur les gens et nous essayons constamment de trouver cet équilibre. C'est très difficile, mais nous sommes d'avis que avec les données de modélisation que nous avons, l'approche que nous proposons est pragmatique. De CTV Winnipeg, Jeff. Bonjour. J'espère que vous pouvez m'entendre. J'ai eu des difficultés à me connecter. Docteur Roussin, euh, Steve a déjà posé la question, mais je veux simplement parler ici. Lorsqu'on enlève euh, les plafonds de capacité, ça veut dire que les Winnipeg Jets peuvent commencer à avoir euh, des euh, matchs avec euh, plus de personnes qui viennent Oui, effectivement. Alors, dans ces euh, euh, établissements sportifs, il y aurait effectivement la preuve de vaccination qui est nécessaire. 50 de la capacité, mais on a éliminé le plafond. Alors, vous et la Première ministre, on parlait de ça, mais est-ce que vous avez effectivement un échéancier après les deux prochaines semaines, comme ça a été le cas dans d'autres provinces Vous pouvez nous dire aussi, voici des dates clés où on va revoir les restrictions. Bon, c'est quelque chose qu'on discute constamment. On discute le court terme, le moyen terme et le long terme. Nous n'avons pas de date spécifique en tête, et en fait, c'est très difficile d'essayer de déterminer ces dates-là maintenant. Mais le message que nous voulons faire passer, c'est que, étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, s'il n'y a pas de problème inattendu, euh, nous espérons avoir un Manitoba sans aucune restriction d'ici le printemps. De CHVN Taylor. Bonjour. Alors, j'examine l'ordre de santé publique et je vois que dans les lieux de culte, il y a un énorme changement de capacité, euh, en particulier pour ce qui concerne l'absence de vaccination. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça? Alors, vous vous référez au fait que... Dans les lieux de culte, à l'heure actuelle, c'est 50% de la capacité sans, sans plafond. Mais dans les, dans les lieux de culte, en fait, c'était 25% ou des groupes de 25 personnes ou alors il peut arriver jusqu'à 250 personnes s'ils arrivaient à 10 cohortes. Donc nous avons éliminé le besoin de cohorte. Donc c'est 25% ou 250 personnes maximales, mais il n'y a pas besoin de mettre les gens en cohorte maintenant. Merci. Lorsque vous avez rédigé ces ordres de santé publique, qu'est-ce que vous avez entendu des chefs religieux à ce sujet? En ce qui concerne les ordres de santé publique, lorsque nous assouplissons les restrictions, nous allons essentiellement en ordre inverse des mesures qui ont été imposées. Pour le moment, c'est un assouplissement qui est en fait très minime. Donc, nous n'avons pas pour le moment eu de conversation avec les chefs religieux. Nous pensons ici qu'il s'agit euh, d'un changement prudent. On voit que les chiffres viennent tout juste de commencer à atteindre la phase du plateau. Donc, nous avons lu être plus prudents qu'autre chose. À l'évidence, nous avons aussi un groupe de travail ministériel qui travaille avec tous les intervenants de la communauté, y compris les intervenants de la communauté religieuse. Donc, nous demeurons en contact avec ces personnes-là pour discuter des heures de santé publique. Nous, on les contacte, eux, ils nous contactent, et on le fait ça avec tous les intervenants. De CJOB Skyler. Euh, bonjour. Je sais que je vous ai posé cette question la semaine dernière, Docteur Rossin. Mais je vais avoir un petit peu plus de contexte en ce qui concerne les chiffres d'hospitalisation. Je sais qu'il y a à peu près 1500 lits d'hôpitaux dans la province. Il y avait peut-être deux lits qui étaient ouverts la semaine dernière. Et maintenant, vous nous donnez cette division des chiffres, cette ventilation entre les gens qui ont la COVID et ceux qui sont là à cause de la COVID. Si on compare ça à 2018-2019... Euh, où les gens, euh, les hôpitaux étaient plus remplis à cause de la grippe, par exemple. J'essaie de mettre ça en contexte. Alors, pourriez-vous nous donner un peu plus de contexte pour la situation cette année C'est une très bonne question, mais honnêtement, je crois que je vais laisser Soins communs répondre et vous donner plus de détails. Il y a beaucoup de contextes qu'il nous faut considérer. Il y a des problèmes de dotation en personnel qu'on n'avait pas en 2018. Il y a des problèmes. Avec des chirurgies qui ont été retardées, qu'on n'avait pas non plus en 2018. Donc, ce n'est pas une comparaison qui est directe, en fait. Euh, on ne peut pas comparer les personnes qui sont admises à l'hôpital aujourd'hui avec celles qui étaient admises en 2018. Mais je vais permettre à Soins communs de répondre plus spécifiquement à votre question. Merci. Question de suivi. Vous dites qu'on va avoir un magnétos sans restriction dans 2-3 mois. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être à l'aise avec ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver au début d'une ère où les gens qui ont une immunité compromise ou les gens qui sont des personnes âgées ou qui ont d'autres problèmes, ces personnes-là vont devoir assumer leurs propres responsabilités, leurs propres risques parce qu'il n'y aura pas d'ordre de santé publique, c'est ça C'est là qu'on va Oui, en fait, on va revenir à la période comme c'était avant la pandémie. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont des défis médicaux et qui devaient assumer leurs propres risques avant la pandémie. Il y avait par exemple des maladies graves et des décès dans la période des maladies respiratoires. Et c'était souvent chez des gens qui n'avaient pas le vaccin contre la grippe, par exemple, ou chez des personnes qui ont des maladies sous-jacentes, des personnes qui ont une immunité compromise. Donc, lorsqu'on parle de ça, on ne veut jamais diminuer la tragédie que représentent tous ces décès, mais à partir de maintenant, c'est certain qu'il nous faut trouver des manières de finalement sortir de ces euh, restrictions de santé publique. Il va toujours y avoir des défis, c'est certain, et certainement des défis plus importants pour les, les Manitobains qui sont malades. Alors oui, il y a des manières d'atténuer le risque, mais ça ne peut pas être en limitant la vie de l'ensemble de la population pour toujours. À un moment il nous faut sortir de ça. De CBC Radio Canada. God. Bonjour. Je veux soulever la question au sujet des camionneurs. Et je veux parler avec la Première ministre. Nous savons que les euh, camionneurs qui reviennent, il y a un euh, assistant législatif qui a été retiré de son poste à cause de son soutien. Alors maintenant, il va y avoir une manifestation devant l'Assemblée législative. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, il va y avoir une manifestation à partir de vendredi jusqu'à ce que vous éliminiez toutes les restrictions. Qu'est-ce que vous allez faire, madame la Première ministre Bon, nous voulons nous assurer que tout le monde est en sécurité. Je sais que au niveau de l'Assemblée législative, les services de sécurité vont s'assurer qu'il y a la sécurité nécessaire pour assumer la sécurité de tout le monde. Je veux vous dire que euh, euh, nos camionneurs, ils nous ont permis de vivre pendant toute cette pandémie. Ils ont permis à la chaîne d'approvisionnement de ne pas être interrompue. Ils nous ont approvisionné en nourriture, en vêtements. Donc c'est certain, ce sont des travailleurs essentiels et on doit les remercier. J'ai envoyé une lettre la semaine dernière expliquant ce que moi je ressens par rapport à toutes ces questions. J'ai des préoccupations. Euh, au sujet du mandat que notre premier ministre canadien a imposé parce que j'ai des préoccupations au sujet de l'inflation de la chaîne d'approvisionnement nous avons une approche différente au manitoba lorsqu'on parle de nos employés euh, gouvernementaux. on a dit les gens doivent soit se faire vacciner soit se faire tester. il y a peut être d'autres manières de sortir de cette situation afin de maintenir cette chaîne d'approvisionnement parce qu'elle est critique non seulement pour le manitoba mais pour l'ensemble du canada. Ma question de suivi. Question inaudible. Alors, vous pouvez voir que la partie de la population qui soutient les camionneurs, pensez-vous pas qu'il y a des gens qui sont fatigués des restrictions Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée d'enlever des restrictions dans la première semaine ou le mois prochain Bon, je vais commencer à répondre, mais ensuite je passerai la question au docteur Rossin. Le docteur Rossin a déjà dit, nous avons ici une approche prudente pour l'assouplissement de certaines restrictions, mais il est certain que notre objectif final, c'est de pouvoir éliminer toutes les restrictions de santé publique afin de nous assurer que les Manitobains puissent recommencer à vivre une vie normale. Nous avons tous le même objectif final en tête, c'est simplement qu'il nous faut adopter une approche prudente pour y arriver afin de nous assurer que le système de soins de santé soit là pour tous les manitobains qui en auront besoin. Du Brendan Sun, Karen. Bonjour tout le monde et merci. Euh, merci de répondre aux questions. Alors ma question porte plutôt sur l'application de la loi. Nous avons une compagnie ici qui a reçu une amende récemment parce qu'elle refusait d'obliger le port du masque. Je reviens d'une rencontre avec cette entreprise et le consensus général, euh, non seulement des employés, mais aussi des clients, c'est qu'ils sont tous fatigués de tout ça. Alors, en ce qui concerne les amendes, je vois qu'il y a beaucoup d'amendes qui ont été euh, données parce que les gens refusaient de porter des masques. Alors, est-ce que c'est un changement dans les 30 derniers jours parce qu'il y a plus de gens qui refusent de porter le masque ou c'est simplement que vous avez plus de forces de l'ordre qui obligent l'application de la loi? Honnêtement, je crois que c'est un petit peu des deux. Bon, il y a une fatigue due à la Covid, on l'a tous vu dans nos diverses communautés et je crois qu'on le ressent tous. Mais à l'évidence, lorsqu'on parle de l'application de la loi, nous avons fait le suivi non seulement euh, des amendes distribuées, mais aussi des avertissements qui ont été distribués. Alors, je sais que le ministère de la Justice euh, a fait également le suivi de ces chiffres. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes au début d'une période d'assouplissement et d'élimination éventuelle des restrictions. Nous attendons tous avec impatience le moment où on pourra éliminer toutes les restrictions quand ce sera prudent de le faire. Ce que l'on demande de Manitoba, c'est d'avoir de la patience. Tout le monde est fatigué de ces restrictions, tout le monde est fatigué de la COVID, mais nous avons besoin de nous assurer que nous allons adopter une approche équilibrée afin de nous assurer que nous protégeons notre système hospitalier, mais aussi parce que nous voulons nous assurer que les Manitobains vivent leur vie. Merci. Question de suivi euh, liée à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions en disant que okay, ça fait déjà plus de deux ans, il y a beaucoup d'argent qui a été distribué dans ces restrictions et aussi dans les, les programmes de soutien. Combien d'investissements est-ce que vous avez vraiment fait dans le système de santé publique, de ce système de santé? Bon, chaque année, nous avons augmenté le budget accordé au secteur de la santé. Nous avons des budgets spéciaux pour la Covid et nous allons continuer à faire ça. À l'évidence, nous avons un véritable problème au niveau des retards de chirurgie et de procédure. Nous avons mis sur pied un groupe de travail qui va développer un plan pour rattraper ce retard et nous allons continuer à travailler avec eux en étroite collaboration parce que c'est vraiment la priorité essentielle pour les Manitobains. Alors, il y a davantage d'investissements qui vont être faits dans la province. Le vendredi, le Conseil des fédérations se rassemble. Pour discuter justement de ça, en ce qui concerne justement les transferts canadiens, le gouvernement fédéral va devoir venir à la table et doit discuter avec nous. C'est n'est pas un fardeau que les provinces et les territoires peuvent assumer tout seuls. Il faut absolument s'assurer qu'on travaille tous ensemble là-dessus. J'apprécie votre question. Merci. Nous allons maintenant revenir à la salle de conférence. Inaudible. Alors, j'ai des questions sur les camionneurs et le convoi. Alors, c'est quelque chose qui a été dit en chambre. Alors, Kenneth euh, Bergson a dit que, franchement, euh, la désacration de la statue ici, euh, le jour du Canada, euh, c'était euh, bien plus grave que tous ces gens qui ont agité des drapeaux nazis. Bon, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une équivalence justifiée de dire que des gens qui ont basculé la statue euh, de l'architecte euh, du programme des écoles résidentielles, euh, c'est la même chose que ces euh, drapeaux nazis et les scènes de haine qu'on a vues à Ottawa avec le convoi En ce qui concerne les pensionnats indiens, nous comprenons certainement les difficultés. Que les Premières Nations ont traversé et nous voulons travailler avec elles sur la réconciliation. Nous voulons les aider à traverser cette période très difficile. Je suis contre tout comportement violent, où que ce soit. Je crois qu'à ce moment-là, il y a des personnes des Premières Nations qui ont même dit que le comportement des personnes qui ont renversé la statue, ils ne l'acceptaient pas non plus. Ils trouvaient ça inacceptable. Je suis d'accord avec eux. Mais il est très certain que nous devons travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones pour les aider à guérir dans ces temps très difficiles. Et bien entendu, c'est une priorité que j'ai mentionnée dans notre discours du trône. Je l'ai mentionné dans mon discours inaugural quand je suis devenue première ministre. La réconciliation, c'est une priorité. Ça n'est pas la question qu'on vous a posée. Est-ce que vous considérez vraiment qu'il y a une équivalence euh, entre ces deux situations? Je vais le dire de nouveau. Non, je ne pense pas que la violence est acceptable. Absolument pas. Alors vous dites que c'est la même chose, vous dites que c'est équivalent. Non, je ne suis pas d'accord avec des comportements violents. Bon la question, on a répondu à cette question. Une autre question. Quelle a été la réponse de Perry Gray et euh, du Dr Rosen euh, dans euh, les euh, chefs, euh, tous les chefs cliniques Alors effectivement Perry Gray fait partie euh, du poste de commandement. Euh, en réponse, alors, euh, nous avons des discussions sur leur planification, notre le planification. Je ne veux pas ici discuter euh, les détails de ces, de ces communications. Pourriez-vous nous dire au moins, vous étiez d'accord, pas d'accord, est-ce euh, que c'était neutre euh, C'est très simple, il y a des restrictions diverses à divers niveaux. Nous examinons divers scénarios avec les données de modélisation. Nous considérons différents facteurs. Alors, leur responsabilité, c'est le système de soins aigus et la capacité ici. Nous, nous avons un mandat qui est beaucoup plus large parce que nous sommes responsables pour l'ensemble de la province du Manitoba. Alors, ce n'est pas une question de dire simplement ils sont d'accord ou ils sont pas d'accord. Bon, si je comprends bien, on va pas vraiment avoir une véritable image de ce qui se passe, le nombre de décès excédentaires. On n'a même pas reçu les données de 2020. Donc, d'ici un an, est-ce que vous pensez vraiment que la prochaine approche que vous adoptez maintenant, vous allez considérer que c'était une bonne approche? Il nous faut travailler avec les chiffres que nous avons devant nous. Nous savons qu'il y a de nombreux aspects euh, dans la santé. La COVID, c'est un des déterminants de la santé. Ça a certainement été une priorité très importante dans notre système de soins de santé et de la santé publique, mais ça n'est pas le seul facteur qui est un déterminant de la santé en général pour la population. Quand on examine le risque euh, de contracter la COVID, lorsqu'on examine euh, les euh, répercussions des ordres de santé publique, on ne peut pas ignorer euh, toutes les euh, répercussions négatives des restrictions qui sont imposées. Donc, euh, je pense que revenir sur tout ça euh, dans un an, eh bien, ce sera certainement plus facile que d'essayer de faire des devinettes maintenant. Alors, euh, si vous changez la capacité... En disant OK, tout le monde est encore à 50%, mais vous éliminez le plafond de 250 personnes. Je veux dire, il y a des endroits qui ont beaucoup plus de capacité alors il va y avoir beaucoup de plus de gens. Alors nous avons également euh, le changement sur les heures d'ouverture pour les restaurants. Euh, par exemple, ils peuvent servir de l'alcool euh, jusqu'à minuit maintenant. Alors c'est certain, il y a encore des difficultés pour les bars, les restaurants. Euh, c'est pour ça que nous introduisons davantage de soutien pour eux parce que nous reconnaissons que c'est un temps difficile. Merci beaucoup. Madame la ministre, est que, pourquoi est-ce que vous avez oublié euh, de divulguer les 31 millions de dollars euh, de revenus que vous avez fait? Je veux dire alors vous étiez ministre du logement à l'époque. pourriez-vous expliquer comment vous avez pu faire cette erreur, cet oubli? Je vais dire, ce n'est pas 30 000 dollars, c'est 31 millions de dollars. Alors, tout d'abord, le euh, logement Manitoba n'avait rien à voir avec ça. Euh, et deuxièmement, j'avais divulgué euh, euh, la vente de euh, ces biens. Ça a été effectivement expliqué dans le formulaire de déclaration euh, des euh, conflits d'intérêts. Et ça a été divulgué euh, à, lors de ma rencontre avec le commissaire. Le problème c'est que je n'ai pas divulgué le, le formulaire numéro 2 dans les 30 jours. Alors de dire que la vente de ces biens, ça n'a pas été divulgué, c'est faux parce qu'ils ont été divulgués. C'est dans le formulaire de divulgation de conflit d'intérêts. Mais ça n'a pas été fait à temps. Non, non, ça l'a été. Absolument, c'était là. Parce que quand j'ai rempli le nouveau formulaire, ces biens n'étaient plus là. Donc j'ai eu euh, la rencontre avec euh, le commissaire et on me dit mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là Parce qu'ils ont déjà été vendus. Mais vous devez faire, euh, déposer une déclaration, vous ne l'avez pas fait. Et votre bureau même l'a confirmé. Parce qu'une fois que ça a été divulgué, on ne peut pas aller divulguer un autre formulaire. Maintenant, c'est divulgué. Non, ça n'a pas été divulgué. Mais si c'est divulgué, c'est maintenant divulgué. C'est votre propre euh, secrétaire de presse qui l'a dit. Bon, c'est la fin de la réunion. Non, ça a été divulgué. C'est faux de dire que ça n'a pas été divulgué. Non. Ça n'a c'était vraiment un oubli ou non Nous avons terminé maintenant. Merci.